Par la barbe de Poséidon, je suis Aquaman, roi des océans. Laissez un petit like si vous kiffez l'intro, je veux dire, il y a quand même une certaine recherche, il y a une mise en scène, vous voyez. J'ai téléchargé le skin officiel d'Aquaman, j'avais même acheté le chapeau d'Aquaman, juste pour vous. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, c'est Jolat et bienvenue aujourd'hui sur Minecraft 1.13. Je découvre tout juste le mode de jeu et regardez, ils ont refait les fonds marins. Donc maintenant on a des petites algues et tout. Donc là bien sûr on n'est pas dans un océan, on est tout juste dans une petite rivière, un petit ruisseau j'ai envie de dire. Et il y a l'océan qui se trouve juste là-bas, on va aller y faire un petit tour. Alors également les gens, ça va être les grandes promos sur G2A. On arrive au mois d'août, va y avoir des putains de sorties. Je vous conseille vivement d'aller faire un petit tour dans la description. Vous avez un lien avec un code promo, ma foi pas négligeable. Je vous laisse aller checker tout ça. Alors bien sûr Aquaman ne sort jamais sans son casque adapté à la nage, c'est pour éviter les petits bouchons d'oreilles. C'est pour ça que j'ai fait appel à Easy SMX. Ce casque doté de super pouvoirs ne vous coûtera que la modique somme de 24 euros. Non, alors plus sérieusement, il coûte vraiment 24 euros. Ma foi plutôt très confortable. Petite LED sur les côtés, nous avons plusieurs modes. Regardez, je peux l'éteindre. Je peux le rallumer de façon à ce que les LED tournent autour du casque. Il est en 3 coloris, en rouge, en orange et en bleu. Un micro d'une flexibilité totalement redoutable. Le son du micro est pas non plus si ouf que ça. Mais après, je veux dire, pour un casque à 24 balles, tu peux pas non plus y demander la lune. Mais franchement, il est top. C'est un casque ouvert, c'est-à-dire qu'il n'est pas isolant. Et ça, c'est ce que j'aime. Faut savoir que je déteste les casques isolants. Disons que j'aime bien écouter ce qui se passe autour de moi. S'il y a quelqu'un qui sonne, s'il y a un téléphone qui sonne, s'il y a une urgence ou quoi. C'est toujours mieux d'écouter ce qui se passe autour. Nous avons 3 boutons derrière le casque. Donc on a allumé ou éteindre les LED, le bouton du volume et on a également un bouton pour allumer ou éteindre le micro. Et pendant cette petite présentation du casque, on va se diriger tout doucement vers ce petit bout d'îlot, vers cette petite archipel. Peut-être un trésor par ici? Non? Même pas. Ça aurait pu. Alors aussi vraiment, ce qui est bien avec ce casque, c'est qu'il va vraiment falloir un sacré coup pour le casser. Parce que regardez, il est flexible, mais à un point. Vous pouvez vraiment le tourner dans tous les sens. Et ça vraiment, c'est super cool. Les branchements du casque, c'est soit par prise USB, soit 2 prises de jack 3.5. Et ça commence à faire nu, mon dieu. Je viens de commencer, mon vieux, c'est la galère. Alors par contre, je comprends pas. J'ai commencé avec un coffre bonus. Et je ne sais absolument pas où il est. Pourtant, j'ai sélectionné le coffre bonus. Je ne comprends pas. Donc voilà, les gens, si vous voulez checker le casque, eh bien, rendez-vous dans la description. Casque Easy SMX. Alors, petit coup dur pour Easy SMX, c'est que le son n'est pas à 7 points. Il est stéréo. Mais franchement, c'est un bon son stéréo. Ça va. Je vais vous faire le test du micro tout de suite après, les gens. Je vais juste checker le coffre bonus. Ah voilà, il est ici. Je l'avais pas trouvé. Donc, bien sûr, là, je me suis mis en mode survie. Alors, on est là pour découvrir la version 1.13 du jeu. Par contre, ce qui aurait été bien, vous voyez, bon, c'est que là, j'ai pas mis les shaders. J'ai pas prévu pour la version 1.13 et tout. En revanche, ce qui aurait été bien, c'est que par défaut... Oh putain, il y a des zombies là-bas. C'est que par défaut, ils nous mettent peut-être un petit shader, vous voyez, même juste léger. Putain, mais il y a trop de monde là. Mais je me casse de là, moi. Ouais, ça aurait été vraiment cool qu'ils nous mettent un petit shader, même s'il était léger ou quoi, franchement. Ça aurait été cool, quoi. Bah écoutez, ça commence mal. Hein. De toute façon, comme toutes mes aventures sur Minecraft, ça commence toujours mal. Et en général, ça finit mal aussi. Tiens, on va mettre une petite torche juste ici. Ah bah voilà, on est bien là. Alors, quelles sont les grandes nouveautés de ce mode 1.13 sur Minecraft? Eh bien, en fait, si vous voulez, ils ont refait complètement les fonds marins. Donc là, vous voyez que ça vit quand même beaucoup plus qu'avant. Vous voyez, avant, il n'y avait pas tout ça, quoi. Donc peut-être que ça donne le droit à des nouveaux items. Très certainement, même. Mais où ai-je la tête? J'avais complètement oublié de vous brancher le micro du casque Easy SMX. Et comme vous le voyez, je pense que ça s'entend, il n'est pas non plus super ouf, mais c'est raisonnable pour un micro à ce prix là, on va dire. À 24 balles le casque est super confortable et tout. Ce qui pêche un peu, on va dire que c'est le micro quoi. Bon, est-ce qu'il se lève le soleil au bout d'un moment, non? Donc je vous laisse vous faire votre propre avis sur le micro du casque. Je vais l'utiliser un petit peu pendant la vidéo et après on reviendra au micro normal. Alors bien sûr, faites pas la comparaison entre les deux, hein, ça n'a rien à voir. Hein. En même temps, c'est pas le même prix. Hein. Ah bah voilà le soleil qui se lève tranquillement. On va pouvoir aller de l'autre côté. Alors malheureusement, on va pas pouvoir explorer tout de suite les fonds marins puisque il faut déjà que je me stuff un tout petit peu. Un minimum, on va dire. Ça va aller relativement vite. Je vais prendre un petit peu de bois, un petit peu de tout. Il faudrait vraiment que je me trouve un petit peu de pierre pour commencer. Histoire de me faire la hache en pierre. Ce serait vraiment pas mal. Et là, pour l'instant, je suis dans un endroit où il y a beaucoup de sable. Regardez, franchement, c'est cool, quoi. C'est vraiment mieux qu'avant au niveau des fonds marins et tout. Je trouve que ça vit plus. Ah, regardez, il y en a peut-être là-bas de la pierre.
Yes, ça s'en est. Il y a même du charbon avec ça. Et bah c'est nickel. Ah bah voilà, l'âge de pierre, nickel. Tiens d'ailleurs, ça c'est une question que je vous pose dans les commentaires. Quel est l'âge de pierre? Très bonne question. Vous avez 5 minutes. Eh bien écoutez, j'ai envie de dire qu'on s'est déjà mis pas trop mal. On a du charbon, on a déjà pas mal de pierres. Voilà, déjà on va faire 2 pioches. Alors comme vous pouvez le constater, je suis repassé sur le micro normal. J'ai coupé le micro du casque. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires du micro casque. Après, faut bien se mettre en tête aussi le prix. Hein. Le micro casque vaut seulement 24 euros. Ce qui est vraiment très peu cher. Allez, vas-y, on plonge. Tel de grand dauphin, c'est y part. Oh, regardez ça, c'est tellement stylé. Même les bruits, voyez? Écoutez là! Il n'y avait pas ces petits bruits là avant. Oh, des petites. Ah non, je croyais que c'était des méduses. D'accord, en fait, c'est des saumons. Je kifferais tellement me construire une base sous-marine et tout en plein milieu de l'océan là. Ah, attendez, je sais ce qu'on va faire. Regardez, même les petits poissons et tout qu'il y a. Il n'y avait pas ça avant quoi. C'est vraiment super stylé. Alors c'est pareil, ils n'ont pas mis un petit mode pour ranger l'inventaire. Voyez ça? Ils auraient pu le mettre par défaut. Faut encore télécharger des mods et tout. Ah, parce que moi, je suis super bordélique dans l'inventaire. C'est un truc de fou quoi. Il y a des fois, je m'y retrouve pas. Bon, on prend notre bateau et on est parti, mon gars. Allez, Aquaman. Regardez ça, ça a l'air tellement profond là-dedans. J'ai tellement envie de construire une base sous-marine. Manquerait plus qu'il y ait un requin qui vienne nous grignoter le bateau. Bah alors là, on est refait. On a un petit bout d'île là-bas. Il y a pas mal de pierres et tout. On va peut-être pouvoir se stuffer un petit peu en ferraille. Ouh, regardez, regardez, regardez. Ce serait pas un petit temple en dessous ou je ne sais pas trop quoi? Il me semble bien, hein. Est-ce qu'il y a moyen que je récupère mon bateau? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver sur cet archipel perdu? De la pierre? Oui. Mais encore? De la terre? Ça, c'est quoi? C'est du gravier, ça? Ah, non. De la diorite. D'accord. On va tenter de se stuffer un petit peu en ferraille. Et franchement, moi, j'ai tellement envie de me construire une petite base sous-marine ou quoi. Alors, je le répète, les gens, mais n'hésitez pas à venir rejoindre le compte Twitch qui est dans la description. Je dis ça pour le moment, j'ai pas relancé les lives, mais ça ne serait tardé. Vous voyez, j'ai bien fait de faire 2 pioches. Et pourquoi pas des petits lives sur Minecraft, ça pourrait être cool. Alors j'ai une torche. Eh bien, on va pas aller si loin que ça avec une torche. Ça fait nuit dehors? Ah ouais, ça fait déjà nuit quoi. On va continuer à descendre un petit peu. Ce qu'il nous faudrait, c'est de la ferraille. Oh, écoutez! Il y a de l'eau pas loin. Bah en même temps, je suis en train de creuser en plein milieu de la mer. C'est peut-être normal en fait. Tout à l'heure, je vais dériver en plein milieu de l'océan. Merde, j'ai plus de pioches. Oh, c'est quoi ce bruit-là? Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? Je crois que ça veut dire que j'approche d'une grotte. Ah bah oui. Voilà. Alors attendez. Avant de descendre plus bas, on va se faire quelques torches. Voilà, ce sera pas mal pour commencer. Et là, on est carrément en plein milieu de l'océan, les gens. Hein. Alors, il y a un petit cours d'eau ici. Hop, crac. Qu'est-ce qu'on a par ici? Oh, je crois qu'on a de la ferraille. Yes. Merde. Ah ouais, 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 ouais. Ouh, je délire. Attendez, je vais éviter d'aller par là-bas. Ah putain, le v'là. J'espère pas qu'il va venir jusqu'ici. Comment que c'est glauque là-dedans, mon vieux? Je croirais en urbex. Ah bah voilà, du charbon. De la ferraille. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a par ici? Bon, ouh, salut toi. Salut, salut, salut. Comment vas-tu? Dégage. Oh l'enfoiré. Putain, il y a même pas un bout de fer. Ah si. Voyez, quelle mauvaise langue que je suis. Ou toi, vas-y, viens. Allez, dégage. Voilà. Nickel. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Je vais certainement me retrouver en plein milieu de l'océan. Bon, tu me diras, ça tombe pas trop mal puisque c'est un petit peu ce que je voulais faire. J'aimerais bien... J'aimerais bien construire une petite base en plein milieu de l'océan. Ah bah là... Si je saute bien, on est bon. Si je saute bien, hein. Parce que si je saute mal, on est dans la merde. Putain, je tente déjà des trucs de ouf, moi, mon vieux. Allez, vas-y. Si je saute bien, on n'est pas trop mal, hein. Et qu'est-ce que tu veux faire, toi, là-bas? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas me dire que si je saute, il va sauter avec moi, non? Impossible. On saute ou quoi? Allez, vas-y, mon gars. Voilà. Oh, putain. J'aurais jamais dû faire ça, quoi. Restez en bas, les gars. Oh, non. Puis il y a de l'or là-bas et tout. C'est mort. Faut que j'y aille, quoi. Je peux pas laisser ça comme ça. Est-ce que j'ai pas moyen de les pousser dans la lave ou je sais pas, là? Attendez, je veux manger un petit bout. Ah, ça y est, j'ai plus rien à manger, là. Oh putain. Oh ce délire. Voilà, yes, c'est bon. On est bien. Par contre, il nous faut une pioche en ferraille. Pas de souci, avec un petit four, ça va aller tout seul. Voilà, nickel. Putain, il y a pas mal d'or ici en fait, hein. Il y a moyen de se mettre bien, quoi. Redstone, je crois que c'est avec la pioche en ferraille. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oh, bah ça dit que c'est déjà pas mal. On va se faire une petite pioche, les guys. Oh yes, nickel. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet, vous voyez? On commence à rentrer dans l'aventure Aquaman. Tiens, j'entends de l'eau partout. Alors, je sais pas s'il y a moyen de se crafter des bouteilles d'oxygène maintenant dans Minecraft ou je sais pas.
Je sais même pas si c'était faisable avant. Ou peut-être une potion pour rester plus longtemps en apnée. Eh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Putain, mon gars, il y a un zombie sur un poulet. Ouais, je tente pas le diable, je vais me faire niquer. Je sais qu'avec les petits zombies, c'est tout le temps... C'est tout le temps la merde. Ah, bah, il est mort. Ah, yes, nickel. Attendez, mais ça veut dire qu'il y a un poulet dans le coin. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Voilà, on récupère ça. On fait cuire ça. Et bah voilà. On est pas trop mal là déjà, non? Bon, ici pour le moment, ça a l'air plutôt safe. Ah, regardez. On va peut-être pouvoir remonter là. On a de la ferraille, ouais. Ça, je prends. Il hein. Y a pas mal de charbon aussi. C'est pas de l'émeraude, ça, des fois? Je pense que si. Hein. Ouais, si, yes, c'est de l'émeraude. Une cascade secrète? Mais qu'y a-t-il de l'autre côté? Ah non, mais ce n'est pas une cascade secrète! Ça, c'est quoi, ça? Ah non, c'est qu'on est carrément dans la mer, là. C'est qui, lui? Attendez, bougez pas. Je vais me le faire. Putain, j'ai déjà plus de place dans l'inventaire. Quoi, laisse tomber. Voilà. Alors, certes, je sais que les épées en or, ça dure pas longtemps. En revanche, le temps que ça dure, ça fait mal. Allez, viens, mon gars. Viens, mon gars. Vas-y, je t'attends. Putain, mon gars, mais... Il y avait pas ça avant, c'est la mise à jour, ça. Putain, je vais me noyer. Attendez, j'y retourne. Il est increvable. Si? Est-ce qu'il va crever au bout d'un moment ou comment ça se passe? Oh putain, il arrive. Il s'est... Je crois qu'il peut pas sortir de l'eau. Chasseur de monstres, yes. Attendez, on va nager là-dedans. Ah, attendez, je peux reprendre de l'air ici. Non? Oh, je vais me noyer. Je vais me noyer, je vais me noyer. Oh putain, mais comment je peux faire, moi? Faut que je trouve un truc pour reprendre de l'air ou quoi? Ah, mais laisse tomber, mais non, mais c'est que je suis en plein milieu de l'océan, mon vieux. Non, 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 c'est mort. C'est mort, c'est mort. Ah ouais, c'est chaud. Là, notre Aquaman est bloqué. C'est un petit peu la merde, quoi. Comment je vais faire pour sortir de là, moi? Putain, y a pas moyen de se crafter des bouteilles... Comment je fais, du coup? Je suis coincé, moi. Ou alors, je tente, hein. Attendez, je vais récupérer mes trucs, déjà. Va falloir tenter, on va pas... qu'est-ce qu'il veut, lui? What? Mais d'où il sort ce machin? C'est quoi ça? Mais dis-moi pas que j'ai crevé là-dessus, quoi! Impossible, mon gars! Dégage! Mais non! Putain! C'est quoi ça? Attends, j'ai déterré un truc, il y en a eu des millions qui sont sortis, quoi. Ils sont en train de crever, je crois, là. Regardez, ils sont en train de crever. Mon gars, j'ai envie de dire, c'est le tout pour le tout, là. Hein. Allez, hein. On tente, hein. Oh. On tente, on tente, on tente, on tente. Vas-y. En espérant que la surface... Oh, putain, ça va. Oh, ça va. Putain, j'ai réussi à m'en sortir, quoi. Oh, ce truc de fou, quoi. Aquaman s'en sort toujours. Retenez ça. Plus de saumon grillé, ça doit pas être mauvais, ça, non? Oh, putain. Oh, putain. Hop! Oh, je suis dégoûté. Et c'est ainsi que Aquaman périt. Ah, bah non, bah attendez. En fait, c'est pas loin, je reconnais. Il y a les chevaux, les vaches et tout. Oh, cette chatte, quoi. Ça va que c'était pas trop loin. Ça va que c'était pas trop loin. Et ça va que tout reste à la surface. Tout serait tombé dans le fond, ça aurait été la merde. Encore heureux que les objets flottent. Hein. Je me demande s'ils flottaient avant la mise à jour. Je crois pas, avant tout tomber dans le fond de l'eau. Hein. Et c'est ainsi que les aventures d'Aquaman se finirent. Mais son périple est loin d'être terminé. D'ailleurs, si vous voulez continuer à voir son périple, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous êtes chaud. Et puis sinon, Aquaman y retournera au fond des océans. Et puis, tu veux que je te dise, moi? Hein? Je touche plus à rien. Je touche plus à rien. Moi, je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde, bye bye.